C'est une grosse déception. On avait à cœur de réaliser un beau match ce soir pour se qualifier, pour aller au tirage pour les quarts de finale. Et après, donc du coup, forcément, c'est une déception déjà par rapport à l'élimination. Et on a vraiment très mal entamé cette deuxième mi-temps. On n'est pas rentré dans ce début de deuxième période et ça a été préjudiciable pour nous. Après ce but encaissé, après on n'a pas eu les ressources mentales pour revenir au score. Et c'est ça aussi qui est dommageable. Donc maintenant, il va falloir bien se préparer parce qu'on a un match important à Strasbourg et après deux qui suivent à la maison. Donc remobiliser les troupes et puis aller sur ces trois matchs comme des guerriers pour rien lâcher et aller prendre le maximum de points. Malheureusement, on n'a pas su faire un match complet. On a eu des bonnes intentions en première mi-temps, où on a été cohérent dans ce qu'on faisait, autant défensivement qu'offensivement. Mais malheureusement, un match, ça dure 90 minutes et pas 45. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas su justement maintenir ce niveau de jeu et même l'élever. Au contraire, c'est Lens qui a mis un peu plus d'intensité dans tout et qui a réussi à marquer. Et donc... Malheureusement, on n'a pas eu cette révolte. Donc voilà, maintenant, il faut se remettre vite au travail parce qu'on a déjà un match très important dimanche. Et si on ne repart pas sur de bonnes bases, ça va être compliqué. Mais voilà, il faut se remettre en question, il faut se remettre au travail. Et on va essayer d'essayer de faire un match complet ce dimanche parce qu'on sait qu'on ne peut pas jouer qu'une mi-temps. Et si on fait qu'une mi-temps, ben, ça passe pas dans le haut niveau.